Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Regardez comment ça se passe. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'il fait chez... Alors, c'était bien, t'as trouvé la bonne gâche là hein? Ah, j'amène toujours moi un Mac, vous saviez pas ça hein? Regardez tous ces pigeons. Oulala. Chacun sa petite niche, impeccable. Bye. Et avec un beau pigeonnier. Le pigeonnier. C'est bon, on est bon, on peut aller faire du vélo. Oui. T'es prête? Eva, elle a trouvé un nouveau vélo. Aussi, ouais. Maman aussi, regarde. Alors, toi aussi, t'es prête? Ouais, ouais, je suis prête, ça y est. Je peux y aller, je suis prête à attaquer la côte. Non, c'est allez, c'est parti pour la côte. Eh ben. Nous voilà, alors on est donc à Montmorillon et je ne sais pas si vous savez quelle est la spécialité de Montmorillon. Ils le savent, j'aurais déjà dit. Hein. Ah, donc c'est les macarons, mais pas ceux que j'avais en tête en fait. Elle est déçue ma petite chérie. Mais c'est pas grave, on va aller visiter le musée du macaron de Montmorillon pour voir ce que ça donne. Alors moi j'ai bien envie de manger celui-là là. Le noir en noisette. Et le blanc, il dirait? Ouais aussi, mais plus celui-là. Et ben moi ce qui me ferait le plus envie, c'est celle-ci. Faut juste lire le téléphone. Celle-là, c'est ça. Aujourd'hui, on est venu au musée du macaron et des amandes. Alors, il est pas très bien fait. On apprend plein de choses. Il y a des tableaux comme ça qui nous apprennent beaucoup de choses. Et on a aussi un guide audio. Donc, on apprend plein de choses. On apprend, par exemple, je ne sais pas si vous mangez des amandes, mais que les amandes amères, elles sont très dangereuses. Elles sont toxiques en fait. Et que si un homme mange plus de 20 amandes amères, il pourrait en mourir. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on a appris qu'on ne savait pas du tout. Alors Eva est très contente parce qu'on a fait le tour du musée et elle attendait qu'une chose, c'est de déguster ce qu'on allait nous proposer, donc du sirop d'orgeat.
Bon, ben, j'ai appris que le sirop d'orgeat était à base d'amandes. Je savais pas. Tu savais là, toi? Non. Et moi, je le savais. Allez, c'est parti, nous nous en allons de Montmorillon où on a apprécié ce village. Vous voyez, on part aussi au coucher de soleil. C'est ça. On retraverse le petit village bien sympathique et nous vous emmenons maintenant direction Poitiers pour aller au Futuroscope. Hein, on va au Futuroscope demain, Eva? Oui. Voilà, c'est le projet de demain. Voilà, donc on va prendre la direction, on va se garer, on sait pas où, on se laisse guider. Ouais. Au dernier moment, en arrivant à côté du Futuroscope, on fera un Spark Fortnite. Ouais. Et puis on croise les doigts pour qu'il y ait de la place. Mais s'il n'y en a pas, on s'inquiète pas, on arrivera toujours à se garer par là-bas. Et puis voilà. Alors avant, j'avais une femme à côté de moi. Maintenant, regardez qui c'est. J'ai que sa veste. Ouais. Elle est derrière. J'essaye de gagner du temps en fait pour demain. Comme ça je fais la vidéo et comme ça demain je vais pouvoir bien profiter avec eux de la journée. Parce que ça fait deux jours que je galère et j'en ai marre de galérer là. Bon, ceci dit, en roulant, c'est pas plus mal qu'elles fassent du montage vidéo. Hein. Elles sont pas loin mes deux femmes, donc ça va, je m'en sors pas mal. Et puis Eva est contente que sa maman soit à côté d'elle. Elle la voit faire. Traverse les terres au coucher de soleil. On traverse le village de Chauvigny. Chauvigny, c'est réputé pour une cité, sa cité médiévale, mais on ne va pas s'y arrêter. Ça sera l'occasion d'y revenir. Je vous fais voir quand même ce monument qui est quand même incroyable, l'ancien château, avec un vestige impressionnant, une paroi d'un mur qui est resté en place. Dans les terres, toujours à 14 km de Poitiers, du Futuroscope. Et regardez ce qu'il y a au-dessus de notre tête, juste au-dessus du Futuroscope, un joli nuage. Mario, toujours sur son montage vidéo. Ça y est, le Futuroscope est devant nous. Youhou. Et là, on est content. Demain, grosse journée, les enfants. On est content d'être arrivé. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait? On se parque. Donc on passe au péage pour le parking pour la nuit, pour les camping-cars au Futuroscope. Vous voyez que c'est moins d'une heure, c'est gratuit. Et sinon, c'est la nuit. Alors écoutez, on va se parquer, c'est pas grave, il y a beaucoup de monde, mais c'est un parking qui est immense, donc de toute façon le but c'est d'être sur place demain matin, donc on fait pas de chichi comme on dit, et on est pas mal, il y a un air pour vider les camping-cars aussi, on peut faire les vidanges, les pleins d'eau, donc voilà, c'est un grand air de camping-car. Donc nous on a un groupe électrogène à mettre en route ce soir pour finir la vidéo de Marion, car il nous manque de la batterie et comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de transformateur qui nous a lâché. Ouais. Transformateur 12-220 qui nous a lâché, donc on va mettre le groupe en route malheureusement pour charger un peu son ordi et pour continuer à finir la vidéo. Bon bah donc là on est au Futuroscope, on vient d'arriver et j'ai fini la vidéo et je peux pas l'exporter parce que je n'ai plus du tout de batterie, du coup Hervé brancher pour fin fond pour pas déranger les voisins. Alors j'en ai pas pour super longtemps, mais il faut absolument que je upload ma vidéo. Alors parce que regardez là, c'est
hyper critique. Bon, nous voilà en place sur le parking du Futuroscope, j'allais dire le PAL. Alors on s'est mis à la lisière d'un bourg, le long de l'autoroute, certes. On n'entend pas trop les voitures avec la butte, là ça va. Bon, il y a énormément de monde, mais vous pouvez voir que le parking est vaste, hein, est énorme. Donc il y a de la place pour tout le monde, sans qu'on soit collé l'un contre l'autre. Donc c'est nickel. On a sorti la table, les chaises. Et puis on sera tout prêt pour demain matin, sur place, pour aller directement au... Futuroscope. Bravo, top là. J'allais dire au PAL. Comme moi j'ai dit. Donc Eva elle est contente parce que... Ouais. Eh ben comme d'habitude, hein, autour d'elle il y a plein de gens. Ce soir on est dans un nouveau lotissement. Et il y a des copains pour s'amuser, il y a des copines. Tu vas jouer un peu, j'ai vu que tu avais fait coucou à une copine là. Ah, maline là. C'est bien chérie. Allez, eh ben, écoute, tu vas profiter un peu, on va manger puis après tu iras. Bon, j'ai branché la prise. Et au bout du fil que vous voyez là, j'ai un groupe électrogène. Et c'est bizarre parce que tout le monde me regarde en disant, mais il y en a même qui m'a demandé, mais vous avez de l'électricité? Il y a de l'électricité sur le site? Alors non, il n'y a pas d'électricité sur le site. Et par contre, j'ai une rallonge là. Donc je mets le groupe électrogène tout au bout. Là, actuellement, il est à 60 mètres. On ne l'entend pas du tout. Alors on n'est pas en race campagne. On a l'autoroute à côté. Donc bah, avec le brouhaha général, on ne l'entend pas, mais du tout. Donc ça ne gêne pas du tout, ça ne gêne personne. Pourtant, on est proche, hein, mais on ne l'entend pas. J'ai demandé à Marion comme si elle l'entendait parce que... Je me suis dit peut-être que ça vient de moi, mais non, ça va, j'ai des bonnes oreilles. Alors Marion, Eva, elle est éclatée de rire. Faites attention aux bancs pliants parce que... Ils ont pas mis la sécurité et moi je m'assois, évidemment. Et en tout cas, elle a pas lâché la casserole. Hein, j'ai vu que ça allait tomber. C'est pâte à quoi ça, chérie? Pâte au pesto, mais... Pâte au pesto, mais pas j'ai pareil. Mais j'ai vu qu'elle allait tomber, je me suis levée, j'avais... Alors la sécurité sur les bancs hein, pour pas perdre vos pattes.